souvent, on ne fait pas confiance à notre machine. C'est une vraie mine d'or sur laquelle vous êtes assis, vous le savez. Et aujourd'hui, en fait, c'est ça mon but, c'est de vous amener avec certaines nouvelles découvertes scientifiques, avec une partie, évidemment, de recettes de motivation et de leadership éprouvées, et aussi, en même temps, pourquoi pas, de la psychologie. Parce que vous, probablement que vous le savez déjà, que dans votre domaine, comme dans le mien, comme dans plusieurs autres, c'est 20 % de technique pour réussir et 80 % de psychologie. Fais des sacrifices. Arrête de rêver en couleur. Trouve-toi donc un vrai job. L'avez-vous entendu, celle-là? On a tous eu la même mère. Mais une face puis un nom différent. Vous comprenez ce que je veux dire? Mesdames et messieurs, ça a été un honneur pour moi d'être là aujourd'hui. What people value the most in life is to be validated, to be appreciated, and recognized. People will go the extra mile. People will just do whatever it takes to feel what? To feel important. That's the number one motivator in life. C'est la même entreprise, si c'est des employés différents qu'ils auraient eu pendant les 15 dernières années, oui ou non? Non, c'est impossible, parce que peut-être qu'il y a un produit qui est arrivé dans la chimie entre vous et moi, on s'en allait prendre un café, on a commencé à parler quelque chose et tac, on a eu une idée et c'est devenu Google Desk. Et là, toi, c'était autre chose. Et toi, c'était autre chose. Donc, c'est la dynamique entre les personnes qui fait l'entreprise et ses produits. Ce n'est pas l'entreprise qui fait les personnes et ses produits.